Shalom, shalom à tous les adorateurs. Dieu est bon et nous voulons lui dire merci pour sa fidélité. J'aimerais ce matin quand même rendre un témoignage que un des auditeurs m'a envoyé sur ma page officielle Geneviève Brou, officielle, en disant comme ça que tous les matins, pendant nos moments d'adoration, nous exhortons les adorateurs à demeurer fidèles, intègres à Dieu. Alors il me disait comme ça qu'il a vraiment fait cette démarche-là. Il avait un concours, il n'a pas soudoyé quelqu'un, il n'a pas donné d'argent, mais il a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu a su l'honorer en lui donnant de réussir à son concours. Et ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cet auditeur que Dieu a béni. Certainement, Dieu a béni beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Alors, ceux qui aimeraient envoyer leur témoignage, pour pouvoir édifier les sœurs et les frères, vous pourrez l'écrire sur notre page Geneviève Brou officielle pour nous permettre de donner ces témoignages-là. Que le nom de Dieu soit béni. Je veux le bénir. Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci à Dieu? Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton amour. Toi, le merci pour ta présence, ô Dieu. Le Dieu éternel, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Tu es tellement bon, Seigneur, Seigneur. Ton amour est incomparable. Oh Dieu, nous voulons te célébrer. Alors, nous voulons bénir Dieu, célébrer Dieu. Nous voulons lui dire merci. Merci parce que nous savons que Dieu est au contrôle de nos vies. Nous voulons lui dire merci parce que nous savons que Jésus n'abandonne jamais. Et ce matin, j'aimerais qu'on parte dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Au chapitre 5, à partir du verset 21, on nous parle de Jaïr qui est venu voir Jésus en lui disant que sa fille est malade. Il avait besoin du Seigneur pour toucher sa fille. Il avait besoin que Jésus soit présent pour que sa fille se relève. Et lui-même, il précise, ma fille encore si jeune. Sa fille encore si jeune, c'est-à-dire qu'il a un besoin, mais ce n'est même pas pour lui, c'est pour sa fille. Il voudrait que sa fille vive. Et nous, ce matin, nous voulons nous ouvrir à Dieu. Nous voulons dire au Seigneur, nous n'avons pas fini d'expérimenter tout ce que tu as à nous montrer, tout ce que tu as à nous communiquer. J'ai été émerveillée par ce passage quand j'étais à la messe, cet évangile, parce qu'il y a une partie qui m'a frappée. La Bible nous dit que sur le chemin, il y a une femme qui souffrait de perte de sang, qui a touché le Seigneur. Elle a été guérie. Mais elle n'a pas touché Jésus lui-même en tant que personne physiquement. Elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Pendant qu'il allait pour la fille de Jaïr. Et la Bible encore nous dit que sur le chemin, les gens viendront dire à Jaïr, ce n'est plus la peine. Ta fille vient de mourir. Mais je vous avoue que j'étais marquée par la réponse du Seigneur à la messe. Le Seigneur a dit, ne crains pas, crois seulement. Et pourtant, on venait lui annoncer quelque chose de grave. C'est-à-dire cette fille pour laquelle il a supplié le maître. Cette fille si jeune, son enfant, on vient lui dire, ton enfant est parti. Et le Seigneur lui-même qui le réconforte pour dire, ne crains pas, crois seulement.
Je ne sais pas, adorateur, ce que tu as à vivre aujourd'hui. Je ne sais pas la peur qui t'anime. Je ne sais pas la crainte, peut-être du lendemain, que tu as en ce moment. Mais le Seigneur nous invite à ne pas craindre, mais à croire. Il y a des tourments, il y a peut-être une tempête qui s'est levée. Tu ne sais même pas quelle est la solution. Tu t'es dit, bon, je me connecte. Peut-être que tu as quelque chose à me dire. Peut-être que j'ai besoin de toi pour m'apaiser, me parler. Mais nous tirons ce passage de l'évangile de Saint-Marc. Le Seigneur qui dit, ne crains pas, crois seulement. Alors que chacun pose sa main sur son cœur et dit au Seigneur, je veux m'accrocher à toi. C'est si difficile, j'ai peur, mais j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu ne vas jamais m'abandonner. Que chacun pose sa main sur son cœur et adresse sa prière au Seigneur. Pose ta main et nous allons prendre ce cantique. Mon Père, je m'abandonne à toi. Dis au Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Tu connais mes peurs, mais tu me dis, tu me demandes de ne pas craindre, de croire seulement. Je veux croire en ton amour, je veux croire en ta fidélité, je veux croire en ta bonté, je veux croire que tu es Seigneur. Seigneur, je veux croire. Et on chante ensemble, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi, Seigneur. Que tu fasses, mon Père. Quoi que tu fasses, je te remercie. Dis, je suis prêt aujourd'hui à je tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Mon Père, pendant que ta main sur ton cœur reprend, je m'abandonne à toi. Fais de moi, mon Père. Fasse, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. J'accepte tout. Dis encore, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. J'accepte tout. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. J'accepte car tout. Tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père. Dis, je me confie. Je me confie en toi. Car tu es mon Père. Mon cœur rempli de paix et aussi d'angoisse. Oh, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. J'ai confiance en toi. Je
tu es mon Père, je me confie en toi. Oh mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi, aide-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, je suis prêt à tout. Moi j'accepte tout, j'accepte tout. Dis je suis prêt à tout, Père, je suis prêt à tout. J'accepte tout, j'accepte tout. Je suis prêt à tout, je suis prêt à tout. J'accepte tout, j'accepte. En Marc chapitre 5, le verset 35, parce que ce qui nous intéresse, c'est le verset 35 et 36. Dans le verset 35, on nous dit, comme il parlait encore, des gens arrivaient de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Le Seigneur te dit, ne crains pas en ce jour, crois seulement. Mets ta confiance en moi. Crois seulement, abandonne-toi. Que la colère ne soit pas ton partage ce matin. Que le doute ne te pousse pas à agir d'une manière qui ne va pas te conduire dans la grâce de Dieu en ce jour. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Peut-être que tu as accusé à tort et tu t'en vas au tribunal et tu as peur parce que tu te dis, je n'ai personne pour me soutenir. Sûrement qu'ils vont m'arrêter, m'emprisonner. Le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Peut-être que ce matin, tu as une grossesse très difficile et tu t'en vas. Et on te dit que ça serait une césarienne et tu as peur. Le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Il te demande de croire seulement. Il ne te demande même pas de prendre une feuille pour te laver. Il ne te demande pas d'aller mettre un canari au carrefour. Il ne te demande pas de chercher à connaître ton avenir. Il te demande de ne pas craindre et de croire seulement. Peut-être que tu vas déposer tes dossiers. C'est le début de la semaine. Tu en as tellement déposé et que tu te dis, bon, c'est un dossier de plus. Il te dit, ne crains pas, crois seulement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas comment joindre les deux bouts parce que l'entreprise est en train de couler. Parce que les impôts sont sur toi. Parce que les créanciers sont sur toi. Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Tu as crié à lui. Tu lui as dit, tu es le seul que j'ai choisi. Et les gens même dans ton entourage se sont moqués de toi pour dire, mais ton Dieu, il est où? Et tu es dans la situation de la fille de Jaïr. On est venu annoncer qu'elle est morte. Mais Jésus va dire à Jaïr, ne crains pas, crois seulement. Que ta foi reste ferme jusqu'au bout. Abandonne-toi. Nous allons prendre ce cantique, je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi, Jésus. Parce que c'est toi seul qui peux tout pour moi.
et c'est toi que j'adore. Je n'adore pas un bois, je n'adore pas une mer, je n'adore pas une lagune. Abandonne-toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, nous nous en remettons entre tes mains. Je m'abandonne à toi, oh Jésus. Je m'en remets à toi ce matin, oh Jésus. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Moi je m'abandonne à toi, oh mon maître. Je m'en remets à toi, oh toi qui m'as sauvé. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Maintenant chante avec nous, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Nous nous abandonnons à toi. Jésus. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Toi, le torrent intarissable. Toi, la grâce infinie. Tu nous demandes de ne pas craindre. De croire seulement. Fais tomber les murs du doute qui entourent nos cœurs. L'angoisse qui entoure nos cœurs. Nous voulons simplement être auprès de toi, oh Jésus.
Abandonne-toi au Seigneur. Je m'en remets à toi, dit ô Jésus. Ô Jésus, je ne désire rien, c'est vrai, que de vivre en transparence, que de te montrer mes vraies blessures, Seigneur. Tu vois, le cantique dit, je ne désire rien d'autre que de vivre en transparence auprès de toi. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur veut toucher nos cœurs, veut nous toucher dans nos réalités. Le Seigneur veut nous guérir. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui est blessé n'arrive pas à adorer véritablement. Je veux vivre en transparence près de toi. Pour moi, je pense que c'est vraiment dire au Seigneur véritablement tout ce qu'on vit. Nous sommes promptes à partager à nos amis, à notre famille, toutes nos blessures. Mais cela ne nous apporte rien parce que quand nous le partageons nos blessures, il y a des gens qui amplifient nos souffrances. Mais le Seigneur aujourd'hui nous dit de ne pas craindre. Il te dit à toi ma sœur, ne crains pas, crois seulement. À toi mon frère qui peut-être en train de pleurer en ce moment, parce que tu te dis comment je vais faire pour joindre les deux bouts, comment je vais faire pour nourrir ma famille. Jésus te dit ne crains pas, crois seulement. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Notre histoire, tu la connais. Ce que tu attends que chacun d'entre nous vive en transparence devant toi. Parce qu'il y a certaines, l'épreuve les pousse à entrer dans la corruption. L'épreuve les pousse, oh Seigneur, à poser des actes qui blessent leur être. Nous sommes là, devant toi. Nous avons confiance en toi. Nous nous en remettons à toi. Nous nous offrons à toi. Prends-nous, Seigneur. Prends-nous, aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Peut-être que les épreuves nous ont éloignés de toi, mais nous sommes là tous ensemble pour te dire que nous t'aimons et que nous n'avons que toi seul. Alors, commençons à lui dire merci. Merci pour ta fidélité. Dis-lui merci pour la paix que tu mets dans mon cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que jamais tu ne m'as abandonné. Merci parce que tu as toujours été là avec moi. Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Pendant que cette mélodie joue, dis simplement merci au Seigneur et dis-lui, tu as fait de grandes choses pour moi, je te dis merci. Alors j'aimerais qu'à ta pause, tu prennes l'évangile de Marc, au chapitre 5. Médite les versets 35 et 36. Pour voir l'attitude de tous ceux qui se trouvent en nous, comment ils réagissent. Et voir l'attitude de celui que nous adorons tous les jours. Comment il voudrait que nous réagissions. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur ne t'abandonne pas, parce qu'il ne va pas le faire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.